swinguez comme vous marchez. Bienvenue chez Triangulaide. Triangulaide, c'est quoi? Triangulaide, c'est une approche pédagogique qui nous permet de développer un swing 100% naturel. Aussi facile que votre façon de marcher. Et pour y arriver, Bill Owens, qui a créé cette méthode en 1991, est parti d'un premier constat, l'évolution technologique du matériel. Une soixantaine d'années séparent ces deux clubs, et évidemment, les images parlent plus que les mots. À l'époque, le matériel était naturel. Le joueur devait obligatoirement être technique. Aujourd'hui, tout a changé. Probablement, la technique du geste, pour une partie en tous les cas, s'est transportée dans le matériel. Avec Triangulaide, on vous propose de découvrir d'abord la puissance de votre matériel. Et ensuite, quand vous aurez découvert la facilité de toucher une balle de rêve sans aucun effort physique, dans votre progression, nous verrons toutes les étapes plus techniques pour utiliser de mieux en mieux votre physique en harmonie avec le club. Afin de mieux comprendre la puissance de votre matériel, on va observer les deux grandes familles de swingers ou de golfeurs. Vous avez les premiers qui jouent uniquement avec leur physique. Évidemment avec des résultats plus ou moins brillants en fonction de leur entraînement. Et les seconds qui font généralement partie des très bons joueurs, qui eux ont compris la puissance de la tête du club. Laissez-moi vous proposer ce deuxième chemin. À l'image de votre façon de marcher, vous allez en premier utiliser vos pieds pour faire bouger vos genoux, vos hanches, votre buste, les épaules, et nous notons pour la plupart d'entre nous que les bras sont la dernière chose qui bouge. Il est très rare de voir des golfeurs ou des individus dans la rue marcher comme ceci. Le 14 juillet, peut-être sur les Champs-Élysées, une fois par an, ça suffit. Hein. Donc, à l'image de cette globale façon de marcher, nous allons d'abord utiliser les pieds pour faire bouger les bras. Combien d'entre vous font l'inverse? Vous utilisez d'abord les bras et éventuellement les pieds? Forcément, ça revient à dire que vous marchez comme ceci. Donc, l'idée phare maintenant, c'est de vraiment s'identifier par rapport à votre marche. Êtes-vous un marcheur avec les épaules en l'air? Êtes-vous un marcheur totalement relâché? Êtes-vous un marcheur rapide? Ou êtes-vous un marcheur lent? En fonction de toutes ces différences, vous allez pouvoir obtenir un swing qui vous convient à 100%. Malheureusement, un swing naturel n'est pas possible avec tous les coups de golf. Vous avez, pour mieux comprendre, trois grands domaines. Triangulaide, c'est également la compréhension de ces trois grands domaines. Tous les coups, depuis le driver jusqu'au fer numéro 4, sont les coups que nous avons catalogués dans le sport. Beaucoup d'engagement physique pour aller le plus loin possible. Il est donc cohérent de faire fonctionner son physique en harmonie avec la puissance du club. Le deuxième compartiment, tous les clubs du pitching wedge au fer 5. Ces clubs vous donneront la possibilité d'aller atteindre l'objectif sur le green, vous rapprocher du trou. Et c'est grâce à un geste 100% naturel, aucun effort physique, que vous allez améliorer considérablement votre jeu et la compréhension de votre swing. Le dernier point, troisième compartiment, le business. Dans cette zone très particulière qui correspond bien sûr à tout le petit jeu. Ici, c'est l'homme qui reprend le dessus. Tout redevient technique. Donc, dans le jeu, c'est le matériel qui domine l'homme. Dans le business, c'est l'homme qui domine le matériel. Dans le sport, le matériel et l'homme s'harmonisent ensemble. Enfin, le dernier compartiment, puisque c'est la concrétisation de tout ce que vous aurez bien fait auparavant, le putting. Le putting, quant à lui, correspond à notre harmonie au niveau de notre séduction, bien-être avec soi et avec l'autre. J'appelle ça souvent un environnement affectif plus ou moins performant. Vous verrez, il y a des semaines où vous allez dans les trous plus facilement que d'autres. Enfin, Triangulaide, deux lignes en forme de triangle,
qui vont vous aider à garder votre geste naturel sur le parcours. En définissant une marge d'erreur à droite de la cible pour le chemin du club et une marge d'erreur à gauche de la cible pour le chemin du corps, vous obtiendrez une trajectoire naturelle de draw qui finira à 100% des cas dans votre marge d'erreur décidée au préalable. J'espère que nous aurons l'occasion de se revoir sur nos vidéos et sur ma chaîne Triangulaid et pour vous expliquer en détail comment nous allons organiser votre geste naturel. À très bientôt. Ciao.